Bonjour mes petits violonistes. Bien, aujourd'hui nos premiers pizzas avec accompagnement. Je vous ai écrit la corde de la, la note la, la corde à vie de la. Une clé de sol d'abord. 4/4 qui veut dire qu'il nous faut 4 pulsations dans une mesure. 4 pulsations, ça peut être 4 noires, qu'on peut diviser en 2 blanches. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous aurons la note La en blanche et une demi-pause, un silence de 2 temps. Nous aurons 4 fois la note La, le même schéma. Et à la fin, il y a 2 barres avec 2 petits points. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on recommence au départ et qu'on refait, qu'on rejoue les 4 blanches. Bien. Première chose, d'abord on va le lire. En tapant dans les mains. 1, 2, 3, 4. La, chute, chute. La, chute, chute. La, chute. Chute, la, chute, chute, on recommence. La, chute, chute, la, chute, chute, la, chute, chute, la, chute, chute. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, revenir. Quand je commence à lire, ce qui est bien, c'est que ce qui serait bien, c'est que l'enfant lise en même temps que moi. On garde toujours la même pulsation. La pulsation va toujours à la même vitesse. Hein, je ne vais pas lentement et j'accélère ou je ralentis. Non, souvent ce qui se passe, c'est que quand j'ai le silence, hop, on accélère. Non, non, non. Parce que moi, dessous, j'aurai autre chose à jouer. Donc, on garde toujours la même pulsation. Bien, on le fait ensemble. On prend le violon, on va le faire en pizza. On prend le violon sur l'éclisse. On étire le bras, on retourne. On vient enclencher le violon dans le cou. Bien. Je cale le pouce sur l'angle de la touche. Je cale mon index, corde de la. Mon bras droit, je ne le colle pas à mon corps. Il est un petit peu décollé. On y va ensemble. On compte. 1, 2, 3, 4. 2, chute, chute. 1, 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 2, chute, chute. Et 1, 2, chute, chute. Sans presser. Toujours à la même vitesse ou sans ralentir. Quand on fait les premiers pizzas, on évitera que le doigt se relève complètement en l'air. Sinon, quand on le redescend, on peut se tromper de corde. Où on perd du temps. Donc, quand je pince la corde, je vais laisser mon doigt juste au-dessus de la corde. Sans jamais le relever trop haut. Hein, sans quoi on perd du temps. Bien. Allez, on se prépare. Toi, tu le refais en pizza. Et moi, je te fais la partie d'accompagnement. Attention, je joue tout le temps. Ça veut dire que pendant tes silences, moi je joue. On y va. Prépare-toi. Place ton doigt. Corde de la. On compte ensemble pour démarrer ensemble. Moi, je jouerai avec l'archer. Je t'aide. 1, 2, 3, 4. Chute. Thank you.
chute. Voilà, à pratiquer des dizaines de fois avec les tout petits, une fois, deux fois, ça suffit. On se repose, hein, on peut en faire un petit peu le matin, un petit peu le soir, voilà, sans trop forcer, sans quoi on fatigue le bras et on n'arrive pas à se concentrer très 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 longtemps chez les tout petits. Hein. Juste essayer de caler le rythme avec la mélodie. Voilà, allez, bonne pratique et à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit like et si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. À bientôt.